Le prince Charles a été félicité pour son union révolutionnaire avec des experts dans le but d'éradiquer les allergies après la mort d'une fille, Natacha Ednan Lapérouse, 15 ans, est décédée après avoir mangé une baguette de prêt à manger avant de prendre l'avion pour la France en 2016. Suite à sa mort, les parents de Natacha, Nadim et Tania Ednan Lapérouse, ont créé la fondation Natacha Allergy Research qui vise à éradiquer les allergies. Le prince Charles a assisté à une conférence de 2 jours organisée par elle association caritativa. Dumfries House à Cumnock. Le Symposium mondial sur les allergies a réuni 16 experts en allergologie de premier plan du Royaume-Uni, des États-Unis, de Hong Kong, de Finlande, d'Allemagne et du Danemark pour discuter des principaux facteurs de risque des allergies émergentes, tels que la perte de biodiversité et le changement climatique. Son Altesse Royale a rencontré les parents de Natacha mercredi lors de la conférence et a déclaré qu'il était ému au-delà des mots. Le prince Charles a déclaré « J'ai été ému au-delà des mots par la mort tragique de Natacha Ednan Lapérouse et la façon dont ses parents se sont dévoués de manière désintéressée pour empêcher d'autres familles de souffrir de la même manière, c'est pourquoi la fondation de mon prince accueille des scientifiques et des experts de premier plan dans le domaine pour s'attaquer aux causes environnementales des maladies allergiques afin que plus aucune vie ne soit inutilement perdue en raison de réactions allergiques. » Natacha est décédée le 17 juillet après avoir mangé une baguette aux olives et à la tapenade à l'aéroport d'Heathrow. Après sa mort, le coroner a rapporté que Natacha n'aurait pas mangé la baguette si l'étiquette avait indiqué qu'elle contient des graines de sésame, auxquelles elle était extrêmement allergique.